Pour installer Handbrake sur Windows, vous avez juste à aller sur handbrake.fr et ensuite il y a le bouton déjà sur la page d'accueil. Alors on clique dessus et puis on peut enregistrer le fichier et ensuite l'ouvrir. On dit oui. Et puis ensuite, comme d'habitude, on fait suivant. La licence, c'est la GPL, donc c'est assez commun en open source. Donc, il n'y a pas de problème avec cette licence-là. Suivant, on choisit le répertoire, installer, et puis fini. Alors là, c'est installé, on a l'icône sur le bureau. Si je double-clique dessus, par défaut, la langue choisie est celle du système. Moi, mon Windows est présentement en anglais, alors c'est en anglais. Mais si vous voulez le changer, vous pouvez aller dans Préférences et ensuite User Interface, le langage, on le change pour celle qu'on veut explicitement. Donc là, je vais mettre français. Et puis là, il n'y a pas de bouton pour sauvegarder, il faut juste fermer. Et puis quand on le réouvre, c'est la langue qu'on veut. Alors voilà, c'est déjà installé sur Windows. Vous êtes prêt à l'utiliser.